that she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voici la dépression. Je suis en dépression. Ah, peut-être un but. C'est fini. Voilà, maintenant que la Coupe de France est finie pour Lyon, voilà. C'est une vidéo en hommage de l'Olympique Lyonnais puisque c'était une équipe qui était en Coupe de France. Et puis maintenant, c'est fini la Coupe de France. Et j'aurais cru quand même que. On peut le faire, mais c'est très difficile, c'est très très difficile. Et le match n'est même pas fini, que je suis en train déjà de faire la vidéo, c'est terminé. Là, je suis en dépression. Non mais franchement, je tiens à dire que ce match était fantastique. L'Olympique Lyonnais s'est bien battu, ils se sont très très bien battus, il n'y a rien à dire. Mais bon voilà, peut-être un quatrième. Voilà le quatrième but de Lyon, voilà, c'est parfait. Voilà. J'ai même pas envie de regarder, regardez. Vous voyez bien, regardez le but. Sarabia. Voilà, c'est malheureux, hein. C'est malheureux. Oui, les Lyonnais sont malheureux. En fait, dans le football, c'est technique. Si tu as une équipe plus forte, il faut bien jouer la défense et en contre. Là, c'est ce qu'ils ont fait, les Lyonnais, ils ont bien joué la défense et en contre. Ils ont très bien joué la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, ils ont essayé de pousser, tellement ils ont poussé qu'ils ont, ils ont pris un carton rouge. Et puis voilà, le problème c'est que c'est difficile de jouer avec un joueur en moins. Mais franchement, moi je dis que dans ce match, entre Neymar et Mbappé, je pense que c'est Mbappé qui a fait le match pour moi, parce qu'il a fait un coup de vitesse. Il a eu le match pour lui seul, à coup de vitesse. Donc le match était fantastique. Ah, il y a un joueur qui vient d'entrer et qui demande un selfie avec Neymar quand même. Ah, il ne veut pas lâcher Neymar. Voilà, il veut pas lâcher Neymar. Bon, vous ne voyez pas très bien. Vous voyez Mbappé qui est un joueur de bonne qualité, évidemment. C'est lui qui nous a terminé le match. Il est très très fort, techniquement. Et il est rapide. Bon, alors le joueur qui a fait son selfie contre Neymar. Ça y est, il a fait son selfie, lui il est bien. Il peut rentrer tranquille. Voilà. Un supporter a fait le selfie même avec Neymar pour son buzz. Voilà, 4-1. Là je fais la vidéo parce que maintenant c'est terminé. Lyon a perdu, mais franchement. Je suis content. Lyon, ils se sont battus. Mais voilà, je veux pas dire aujourd'hui, je n'insulte pas Lyon. Je dis pas qu'ils sont nuls, puisque là aujourd'hui, pour une fois, ils ont joué. Ils ont voulu y arriver. Mais bon, voilà quoi. Et maintenant, pour lui, il va falloir se remobiliser. Donc, pour l'Olympique Lyonnais, comme vous avez vu, le champion, maintenant il compte plus que le championnat. La Coupe de France est finie. On a la Coupe de la Ligue, mais je pense que ça va faire pareil. On va être éliminé en Coupe de la Ligue. Moi, je voulais tellement la Coupe de France que voilà. Aujourd'hui, j'ai que les larmes pour pleurer, j'ai que les yeux pour pleurer. Mais je suis content puisque j'ai cru à un partout. J'ai cru que Lyon allait arriver. Mais évidemment, voilà, c'est technique. Dans le football, quand tu as une équipe plus forte que toi, techniquement, si tu es techniquement, tu joues bien, tu peux y arriver. Mais là, c'était vraiment, comment dire, moi je dirais que techniquement, et aussi le banc et les joueurs de qualité. Quand il y a des joueurs de trop grande qualité, c'est difficile de gagner. Parce que là, on était à deux doigts, mais bon, il fallait tenir tout le match. Et puis on n'a même pas su tenir la fin du match parce que voilà, on a craqué. Il y a 4-1, voilà. Mais franchement, Lyon a très bien joué. C'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu gérer la fin de match. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais maintenant, ils vont jouer contre Lyon va jouer contre Lille en championnat. Et puis maintenant, le but de Lyon serait de finir 5e ou 4e. Peut-être 3e du championnat de France, mais je pense que c'est foutu. C'est plutôt la 4e place.
et la cinquième place pour une Coupe d'Europe, Europa League pour l'année prochaine. Et puis je ne sais pas ce qui va se passer pour l'Olympique Lyonnais. On va peut-être perdre des joueurs qui vont partir, parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, ils vont peut-être partir, certains joueurs. Et puis voilà. Voilà, aujourd'hui je suis démoralisé. Là j'ai plus de batterie. Même mon appareil me dit ciao. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et moi, quant à moi, je vais dormir et tant pis. Pas de Coupe de France pour Lyon, pas de finale, puisque là, si on gagnait, on allait aller en finale. Et ça ne serait pas de finale pour l'Olympique Lyonnais. Ça serait Paris qui va gagner la Coupe de France. Moi je vous dirais à 100% oui. Ils vont gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Puisqu'on a une finale de la Coupe de la Ligue contre Paris, mais je ne crois pas. Je pense qu'on a des chances de gagner contre Paris en Coupe de la Ligue, en finale de la Coupe de la Ligue, mais il faudrait faire la même technique que maintenant et réussir à finir le match, tout le match. Voilà, quant à moi, bon, là, je ne veux pas trop discuter, je suis un peu démoralisé, le match n'est pas fini. Je voulais faire ma vidéo et puis voilà, je suis démoralisé. Le match que j'attendais le plus, voilà, on est fini en Coupe de France, c'est terminé aujourd'hui. 2020, c'est pas encore Lyon qui va reprendre la Coupe de France. 2020, et ben, c'est toujours Paris qui va être champion de la Coupe de France pour moi, parce qu'il y aurait une finale entre Paris ou Saint-Etienne ou Rennes en Coupe de France. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à dire, je suis dégoûté, je suis démoralisé. Tout à l'heure j'étais en pression, j'ai cru quand il y avait un partout. Mais non, voilà quoi, j'ai perdu. Mais techniquement, on y était. Alors, première mi-temps, on était chaud. Mais en deuxième mi-temps, on a craqué. C'est des petites erreurs de technique, la petite main et tout ça. Non, non, c'est des petites erreurs. Mais on était à deux doigts de battre Paris et aller en finale. Mais bon, voilà. Bon, ben, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, je suis démoralisé. Je vais, le match de championnat contre Lille, je pense que c'est même pas. Il faut qu'on gagne de toute façon. Bon. Moi, l'essentiel, la Coupe de France est partie maintenant. J'ai plus que mes deux yeux pour pleurer. Allez, salut les amis. Attends, moi, je suis déprimé. Voilà, c'est fini la Coupe de France. Salut les amis. Faites un like à ma vidéo. Et bravo les Parisiens. Vous serez toujours aussi fort si vous gagnerez la Ligue des Champions. Salut. Peut-être un cinquième but. Ah non. Bon, je vais couper là. Et bravo encore pour Paris. Salut les amis, moi, je suis déprimé. Bravo Paris est champion de France et champion de la Coupe de France, normalement Paris, Coupe de la Ligue. On se retrouve pour la finale entre Paris et Lyon pour la Coupe de la Ligue. La finale de la Coupe de la Ligue, la dernière Coupe de la Ligue, je précise bien. Ça les amis, moi je parle trop, ça me dépasse. Alors vous avez mal au cœur, maintenant c'est bon, on a perdu. C'est dur, hein, ils sont plus forts que nous, ils ont le meilleur banc que nous. C'est normal. Allez, salut les amis. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.